comprendre l'histoire, c'est-à-dire ce qui motive l'action humaine. C'est là une entreprise qui relève de la complexité, du fait humain. Si traditionnellement ce fut le spectaculaire qui avait pignon sur rue, un tel tableau ne peut épuiser la complexité de l'action collective humaine. Hors de tout temps, l'action collective vise l'appropriation des biens. À l'ère géopolitique, cette constante demeure à la base de toute compréhension. C'est du moins ce que le docteur Bertrand Caménie nous fait part comme un élément insoluble de toute analyse, dont l'importance pour autant semble être minorée, et peut-être pour cause. C'est en fait à une géopolitique des minerais que nous conduit l'analyse du docteur Bertrand Caménie, une analyse qui alors nous dévoile le ciment de la paix ou de la guerre. Il y a eu plusieurs tentatives de comprendre l'histoire et le présent. Hier, le matérialisme historique révélait la place prédominante d'un processus dans lequel la matière n'était pas absente. Pour toi, il ne s'agit pas de marxisme ni de matérialisme historique. Si j'ai bien compris, il s'agit plutôt d'une explication politique de l'histoire ou d'une explication politique réduite à son aspect matériel ou géopolitique fondée sur une vision unique. Est-ce que je me trompe de ton approche ? Disons que c'est essentiel lorsqu'on a affaire au réel, et à plus forte raison aux sociétés humaines, de souligner la complexité. Hein, ça, on peut pas faire autrement. Donc, les choses sont extrêmement complexes. Ce que je fais, mon approche consiste tout simplement à essayer de creuser de nouvelles pistes, l'une étant celle sur laquelle j'ai développé un travail de recherche qui voit essayer d'analyser, de comprendre l'importance, le rôle des matières premières et plus précisément du minerai des métaux. Je ne peux pas réduire l'histoire à cela, mais j'ai constaté que par exemple, le cuivre est vieux de 10 000 ans, mais il est toujours aussi utile, toujours aussi indispensable, toujours aussi important dans nos économies sophistiquées qui sont hyper technologiques, qui veulent nous emmener sur Mars. Donc, je me suis posé la question. Voilà pourquoi on ne travaille pas là-dessus, pourquoi on ne questionne pas leur rôle de manière fondamentale en essayant de remonter un peu dans l'histoire et notamment au regard d'un certain nombre de conflits. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de progresser en travaillant surtout à partir du nœud de la révolution industrielle qui était évidemment fondée sur la transformation des matériaux. Ce nœud dont tu parles, c'est un peu le nœud de l'histoire. D'autant plus que c'est un nœud qui a été plus ou moins subtilisé. C'est quelque chose dont on ne voudrait pas en parler, et pour cause. Oui, on peut dire les choses comme ça, mais encore une fois, je dis, elles sont très très complexes. Donc je préfère insister beaucoup plus, en tout cas en préalable, à la méthode. À la méthodologie, c'est-à-dire, je me dis, mon travail, c'est un travail de déconstruction. Et c'est à partir de là, je me pose des questions. Je me dis, par exemple, quand on lit Montesquieu, il prononce rarement le mot culture. Quand on lit Tocqueville de la démocratie en Amérique, il utilise quelques rares fois le mot culture, mais c'est vraiment dans le sens de d'agriculture. Donc je me dis pourquoi à un moment donné la notion de culture a pris une telle prégnance dans nos analyses en sciences humaines, en sciences sociales. Évidemment, elle a son importance. Mais je me suis dit, comme toutes les grandes catégories d'analyse, est-ce qu'il n'y aurait pas
derrière d'autres choses qu'il faudrait essayer de creuser. D'autant que cette catégorie naît parallèlement à, de manière générale, hein, globalement, naît parallèlement à la révolution industrielle dont je parle. Et donc, à partir de là, je me suis dit, est-ce que, voilà, ça ne servait pas un certain nombre d'intérêts? Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas entièrement faux. Cette analyse révèle bien des choses, bien des compréhensions qui nous échappent. Bien entendu, disons que, comme toute recherche, on essaye de... On a franchi quelques pas que si on a quelques résultats. Et donc, effectivement, j'ai constaté à partir de mes questions que un certain nombre de conflits à travers le monde et même à travers l'histoire étaient liés, si ce n'est de manière fondamentale, au moins dans leur déclenchement à l'enjeu d'appropriation d'un certain nombre de ressources rares au gré des transformations économiques et technologiques. Je ne sais pas. Et c'est d'autant plus important que ça permet d'essayer de rechercher jusqu'où on peut, par exemple, placer un certain nombre de facteurs comme la religion comme étant des facteurs prépondérants dans le déclenchement des conflits. Si je prends, par exemple, le Kosovo, certains historiens pensent que, contrairement à l'analyse traditionnelle, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas pour transmettre l'islam au Kosovo que les Turcs, l'Empire ottoman, est allé au Kosovo, mais plutôt c'est le plomb, le zinc, en tout cas les ressources minérales, et surtout les mines d'argent. Du Kosovo qui ont attiré la Turquie, l'Empire ottoman, et alors en venant, elle a voilà, ramené aussi du la religion. Du 19e siècle. Et ça, on est quasiment, on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge, c'est-à-dire que je fais référence à la fameuse guerre du Merle Blanc. Parce que Kosovo signifie merle blanc en albanais. C'est-à-dire que la bataille qui avait permis à l'Empire ottoman de s'installer dans les Balkans, en tout cas au Kosovo, en dominant la Serbie. C'est une fameuse guerre qui est connue dans l'histoire occidentale. Donc, des historiens ont bien montré que, en fait, c'est parce que les mines d'argent du Kosovo avaient fait de la Serbie l'une des grandes entités, un État riche, que voilà la compétition, la convoitise de l'Empire ottoman avait été suscitée. Mais est-ce qu'on peut se permettre une telle analyse pour presque tous les événements conflictuels qui se présentent de nos jours? Encore une fois, les choses sont complexes. Non, on ne peut pas d'emblée généraliser. Non, peut-être en termes d'hypothèse. À ce moment-là, il faudrait attendre, confronter cette hypothèse à la réalité pour voir. Mais je ne peux pas d'emblée généraliser. Ce que je dis, c'est que pour la plupart des conflits que j'ai essayé de regarder de près, ce facteur intervient évidemment à des degrés divers. Bon, la plupart du temps, on attend que ces conflits explosent et pour qu'on puisse s'intéresser aux aspects spectaculaires. Mais si on regarde les choses sur la longue durée, parce que c'est aussi un facteur important, je peux prendre un exemple simple. Oui. Actuellement, en Roumanie, il y a des rivalités, des conflits, pour le moment non armés, sur les, comment ça s'appelle, la Roseia Montana. En tout cas, c'est un lieu où il y a des gisements, des mines d'or. En allemand, ça s'appelle Goldbach, c'est-à-dire la rivière de l'or. Et c'est un,
C'est une localité dotée de ressources minières qui fait l'objet de compétitions et donc de conquêtes et de reconquêtes depuis la Rome antique. Et donc, du fait de la montée des coûts de l'or sur le marché mondial, des acteurs internationaux veulent relancer la production d'or dans cette région, située dans la. En Transylvanie, et les populations, certaines populations locales s'y opposent parce que voilà, c'est davantage les hommes politiques qui, apparemment, parce qu'on parle de corruption et autres, en tireraient profit. Mais c'est vraiment un investissement important parce qu'on parle de milliards de dollars d'investissement. Et là, on n'en parle pas énormément. Mais si demain ça dégénère, on va davantage voir d'autres facteurs que l'on va mettre en avant, alors que c'est un problème qui prend racine à la fois dans cet enjeu-là, mais aussi dans l'histoire, autour du même enjeu. Qu'est-ce que je pense qu'on en avait déjà parlé au début, quand je disais que d'une manière ou d'une autre, au cœur du conflit afghan, il y avait l'enjeu. Des minerais, des métaux, ben certains me regardaient et n'en revenaient pas. Et à ce moment d'ailleurs, il y avait un certain nombre de publications qui m'avaient échappé, que je retrouve aujourd'hui et qui, de manière spectaculaire, confirment cette dimension. Et là également, il faut remonter un peu à l'histoire, parce que dans ces mines aujourd'hui, on découvre des Bouddhas et on sait que. Les Grecs, les Romains aussi, s'étaient cassé la figure, pardonnez-moi l'expression, à peu près dans la même région. Et c'était aussi pour rechercher des ressources minérales, notamment le cuivre. On voit aujourd'hui, c'est la Chine qui, pour le moins, est anti-profit, en tout cas, elle a déjà signé un contrat pour exploiter une mine de cuivre, ce qui est dû entre autres à la proximité et à ses moyens pour construire des infrastructures. Mais là également, il y a une c'est en continuité avec l'histoire, parce que en fait, dans la répartition mondiale des gisements de cuivre, l'Asie n'est pas particulièrement dotée. Pour comprendre cela, on peut rappeler que. Le Chili, par exemple, détient au moins 30% des réserves mondiales de cuivre. Donc, à ce niveau, c'est la géologie qui décide. Bon, la Chine avait déjà conquis, étendu son territoire du côté de ces côtés-là de l'Asie à la recherche du cuivre, au moment où elle introduisait le cuivre comme monnaie sur son territoire. Ça, c'est. Il y a des siècles. Donc il y a cette Il y a des liens continuité. évidents qu'on ne peut pas nier. Voilà, en tout cas, quand on peut essayer de soumettre cette hypothèse-là à la réalité des conflits. Parce que ce que je dis, par exemple, dans mon travail, c'est, en fait, il y a une sorte de double rôle des minerais et des ressources minérales. C'est que, non seulement ça fournit des moyens, notamment financiers, c'est-à-dire que c'est un enjeu économique, mais c'est aussi concrètement hein, un outil pour fabriquer les armes. Et donc ça intervient à un double titre dans les conflits. C'est pour cela que c'est quasi incontournable. Les exemples sont légion. Moi, quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, mais ça va exactement dans le sens de ce que j'ai écrit il y a quelques années. C'est-à-dire que du temps de l'apartheid, dans l'apartheid, on voyait les conflits facilement en disant, bon voilà, il y a blanc et noir, il y a autochtones et halogènes, bon très bien, ça marchait parce que ça réveille l'émotion et tout ça, très bien. Mais aujourd'hui, on est bloqué. On voit en face une police constituée de blancs et de noirs qui tue des mineurs. Donc tant qu'on n'a pas posé le problème fondamental, qui est celui des mines, et qui est au début de l'histoire de l'Afrique du Sud. Parce que les premiers Hollandais arrivent en Afrique du Sud dans les années 1600, et les tensions montent à partir des années
je dis, vraiment monte en flèche à partir de des années de découverte du diamant, d'or 1867, 1881, la guerre des Boers. Donc tout cela tourne autour de ces matériaux. L'institutionnalisation de l'apartheid en 48, on peut difficilement extraire cela de l'avènement de l'arme atomique et qui nécessite de l'uranium, une ressource dont l'Afrique du Sud disposait d'importants gisements. Donc c'est une hypothèse, je ne sais pas, nous pourrions parler du Tibet, donc on peut parler de la Mongolie, on peut parler des révolutions arabes, donc j'essaye du moins de confronter mon hypothèse au conflit, et puis je vois ce que ça donne. Les quelques exemples, car le Tibet. Mais pour le Tibet... l'analyse traditionnelle va davantage mettre l'accent sur les facteurs culturels. Évidemment que ces facteurs sont présents, il n'y a pas de doute. Mais quand je parlais de précautions méthodologiques tout à l'heure, c'est entre autres parce que généralement, on se focalise sur le déroulement d'un phénomène, mais généralement on rentre on essaie d'interroger son émergence, ce que j'appelle l'agenda des conflits. C'est-à-dire, face à un conflit, je me pose la question, évidemment c'est difficile parce qu'on ne peut pas à chaque fois trouver des bonnes réponses, mais je me pose la question, pourquoi ce conflit commence maintenant et pas avant? C'est une question extrêmement difficile, mais au moins cela posé peut, comme cela, permettre d'éliminer un certain nombre de facteurs. Et voilà. Donc, quand on prend le Tibet, historiquement, le Tibet n'appartient pas à la Chine, ça c'est clair. Et du coup, on peut justement, à travers la question de l'agenda, se demander, mais à partir de quand la Chine commence à se saisir du Tibet. Et avec quel degré? Voilà. Donc, quand on se pose ces questions, on se rend compte que la Chine a occupé, était présente en Chine avant le XXe siècle, mais la véritable, oui, on peut dire, colonisation du Tibet par la Chine s'opère après 1949, et surtout dans les années 50. Et c'est aussi le moment où la Chine commence à intégrer le rang des grandes puissances, au moins économiques, et a besoin d'un certain nombre de matériaux, par exemple l'uranium que l'on trouve au Tibet. Et de la même manière, on peut se poser la question pourquoi entre les années 50 ou 60 et maintenant, le conflit n'était pas sur un... si on peut dire ça, c'est comme chez les médecins, pourquoi il n'y avait pas un électrocardiogramme plat ou, je sais pas moi, ou sinusoïdal, bref. Pourquoi la soudaine montée des violences actuelles? On peut répondre que cela suit... c'est-à-dire, cette montée sur le toit du monde suit aussi l'ascension de la Chine sur dans la chaîne des grands. Dans la chaîne économique. Ce qui est d'autant plus vrai que, par exemple, le Tibet recèle d'environ 70% des ressources de lithium. On sait qu'aujourd'hui, les voitures électriques hybrides dépendent dans une large mesure de la disponibilité des ressources en lithium. Les estimations varient. Certains parlent de 15%, d'autres de 20%. Mais en tout cas, en dehors du triangle andin, Argentine, Bolivie, Chili, les plus importantes ressources de lithium, de sel de lithium, se trouvent au Tibet.
Et il me semble d'ailleurs, on l'utilise aussi pour les téléphones portables. Faut pas oublier, je parle de voitures électriques parce qu'aujourd'hui c'est véritablement l'enjeu. Mais ce sont ce même matériau qui est utilisé dans les batteries, hein, les téléphones portables. Quand on parle de batteries lithium, lithium-ion, en fait, voilà, c'est cela. Et c'est à partir de cela qu'on a imaginé qu'on pouvait perfectionner ces batteries pour les utiliser dans les véhicules. Et il me semblait avoir lu quelque part, par exemple, que le Chinois le plus riche est celui qui fabrique les batteries de téléphone portable. Parce que c'est quelque chose qui est Donc, utilisé dans voilà. presque tous Voilà, les petits gadgets d'aujourd'hui. évidemment, sur le terrain, on voit la Chine, il n'y a pas longtemps, il me semble que c'est 2011, 2010 ou 2011, hein, la Chine a parachevé le chemin de fer qui relie justement la métropole voilà, au Tibet. Et les mines sont ouvertes partout là-bas, partout. On explose des roches et tout pour extraire les mines. Est-ce qu'on peut taire cet enjeu-là? Je ne pense pas. Mais est-ce que cet enjeu est visible pour les acteurs sur le terrain, pour ceux qui militent pour les droits des Tibétains, pour les droits de l'homme, contre la violence, contre toute violence? Mais bien entendu, mais justement parce que quand on voit cela, sans ancrage historique, on ne peut pas accorder, me semble-t-il, cette importance-là, ce facteur. C'est ça, donc je pense que les gens voient, mais n'ayant pas fait de lien avec d'autres conflits, du coup, ils n'y accordent pas suffisamment d'importance. Je crois, hein, je crois. Mais disons que de plus en plus, on peut difficilement passer cela outre. Hein. Difficilement, difficilement. Parce que on vit dans un monde fini aujourd'hui. Hein, un monde physiquement connu, fini, dont les enjeux, on les voit, on peut les cacher. Quels que soient les continents aujourd'hui. Tu as parlé de la révolution arabe et comment cette thématique est liée à la naissance même de la révolution. Voilà, j'ai dit, voyons les choses aussi, et peut-être surtout en termes de degré. Je ne dis pas que, voilà, les minerais rares sont de manière générale et totale l'origine unique des gros. Non, je dis. Étant entendu que on parle bien de ressources rares. Et donc tout ce qui est rare est prisé. Donc voilà, et donc il y a une compétition forcément pour le contrôle et tout cela. Donc, en ce qui concerne les révolutions arabes, bon, voilà, l'analyse qui domine, voilà, et qui traduit d'une certaine façon la réalité des faits. Hein. Mais comme je dis, sans ancrage, sans profondeur. Donc cette analyse voit quelqu'un qui s'est immolé et qui a provoqué une révolution. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi dans d'autres cas, des gens s'immolent et il n'y a pas de révolution? Donc, pour revenir plus précisément à ces révolutions, on est d'accord, voilà, qu'elles sont parties de Tunisie. Et en fait, il y avait depuis. On peut même dire 2008, hein, des révoltes massives, mais massives, qui avaient demandé le déploiement de milliers de policiers, de militaires, dans le bassin minier de Gapsa, dans cette zone, on exploite des mines de phosphate. La ville principale, la ville minière principale de ce complexe, qui s'appelle RDF, où on avait le cœur des manifestations, se trouve à environ 50 km de cet endroit où ce jeune chômeur s'est immolé. Donc on ne peut pas dire que c'est en dehors du complexe minier, pas du tout. D'autant moins que, en tant que chômeur, il n'est pas exclu qu'il avait fait partie de ceux qui voulaient être recrutés par cette entreprise. Parce qu'en fait, c'est comme cela que la crise est partie dans le complexe minier. En raison des demandes internationales de phosphate, parce que là également,
les lois de la géologie ont fait que les répartitions des gisements ne sont pas égales. Et donc la forte demande mondiale, notamment par l'Asie, la Chine, avait fait que cette entreprise voulait recruter quelques mineurs. Mais comme on était dans un régime non démocratique, qu'on procédait par népotisme, par des petites combines, ceux qui n'avaient pas été recrutés s'étaient révoltés parce que voilà, ce sont les gens du clan qui avaient été recrutés. Et c'est à partir de là qu'il y a eu l'explosion. Et comme je dis, on n'en avait presque pas parlé. Il faut voir les titres des jours. On n'en avait pas parlé. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui se joue en Afrique aujourd'hui, les principaux conflits, selon cette perspective? Là également, je pense que d'autres facteurs sont présents, notamment ceux qui sont privilégiés, parce que bon, c'est aussi intéressant, il faut bien le reconnaître. Hein, dans les médias, si on parle de terrorisme, d'affrontements ethniques, ça, c'est spectaculaire, c'est intéressant. Mais ce qui est en partie vrai, ça fait partie des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais le problème, pour moi, ce qui me gêne un peu avec ces analyses, que je respecte, hein, des analyses traditionnelles, voilà, que je respecte parfaitement, c'est que le risque est grand de confondre cause et effet. C'est cela, d'après moi, la difficulté. Parce que on est, dans la plupart des cas, dans des états faibles, dans des états rentiers, dans des états où on mène ce que Jean-François Bayard appelle la politique du ventre. Et à partir de là, les populations essayent de trouver d'autres modes de survie. Ça peut être, voilà, une forme de fondamentalisme. Et au bout, on essaye d'analyser ces formes de fondamentalisme sans retourner, sans partir de la source du problème. Aujourd'hui, ce qui se passe au nord du Mali, effectivement, c'est lié à un certain nombre de facteurs comme le terrorisme, mais on voit bien que l'amplification brusque est venue du débordement de ce qui s'est passé en Libye. Mais ce facteur aggravant ne doit pas être confondu avec les racines du problème. D'après moi, les racines du problème, c'est que, à partir des années 90, il y a une forte demande mondiale, internationale, des matières premières en général et des mines en particulier. Alors, les enjeux étant donc très très hauts, on se projette à l'échelle du monde pour explorer les possibilités dans les régions autrefois non rentables, non explorées, non exploitées. Et là également, quand on le fait, comme ça ne saute pas dans les médias, on ne peut pas en parler, ce qui se comprend. Et cela s'est passé spécialement en Afrique, parce que elle fait partie des régions des derniers frontières minières mondiales aujourd'hui. Et étant donné sa situation, parce que ça c'est aussi un facteur que l'on oublie souvent, hein, quand on voit la situation du continent africain, c'est très très favorable à l'exportation des minerais, puisque les autres continents sont quasiment autour d'elle, si on peut s'exprimer ainsi. Elle est un peu au centre. Voilà, exactement. Donc on a repris l'exploration et on voulait passer à l'exploitation des ressources du Sahel, du Sahara. Hein, voilà, pour dire les choses plus simplement. Mais cela s'est opéré davantage au profit d'une minorité qui est
à la tête de ces États et au détriment des populations qui sont dans les zones exploitées, dans les zones d'exploitation. Bon, on l'a vu par exemple au Niger avec l'uranium. On l'a vu en Mauritanie. On le voit avec l'exploitation du pétrole au Nigeria. On voit comment le diamant alimenté la guerre dans d'autres pays, y compris en Côte d'Ivoire, hein, il n'y a pas longtemps. Donc, si on ne prend pas en compte cette dimension-là, d'après moi, on risque de confondre cause et effet. Pour toi, une bonne partie de la cause remonte à précisément la compétition pour les ressources rares. Oui, c'est là. Parce que les stratèges voient les choses à long terme. Ils ne sont pas dans le court terme comme l'analyse médiatique. Dans ce cas-ci, l'image de l'histoire que nous avons devant nous, c'est une image où l'homme, où sa civilisation, tout ce qu'il y a de plus profond chez lui, est effacé au profit de ce qui reste, au profit de cette course vers l'appropriation de la matière. Dans ce cas-ci, selon cette perspective, nous avons une histoire très, très triste devant nous, où l'homme n'est pas présent, hein, où l'homme s'est effacé au profit de ce qui le précède, de ces matières qui le précèdent et qui peut-être est le seul de son avenir. Bon, dans un premier temps, je n'émets pas de jugement de valeur, j'observe, j'essaie de comprendre. Encore une fois, j'ai dit, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais j'insiste sur cela, non seulement parce que voilà, je confronte cela à la réalité, mais en plus, c'est un facteur qui a été plus ou moins négligé, puisqu'on en parle de temps en temps. Hein. Bon. On ne peut pas dire que l'homme s'efface, parce que, en fait, c'est toujours au profit de l'homme, hein, parce qu'il faut bien, comprendre que si on dit que c'est source de conflit, c'est aussi pour que l'on puisse se rendre compte que ça pourrait aussi être source de paix. Imaginons par exemple une sorte de gouvernance mondiale des ressources minérales, des ressources économiques, qui serait partagée. Peut-être qu'il y aurait moins de violence. Donc ce n'est pas forcément. C'est d'ailleurs pour cela que je disais tout à l'heure que ça intervient à un double niveau. Donc ça permet de détruire, entre guillemets, mais ça pourrait permettre aussi de construire. L'exemple de l'Afrique du Sud est justement là. On est quand même à Strasbourg, hein, au cœur de l'Europe. L'Europe, c'est d'abord le fer, le charbon, l'acier. Moi, ça m'amuse un peu d'entendre aujourd'hui toutes les réflexions qui sont faites et qui sont bien entendu pertinentes, hein, sur l'Europe, sur qu'est-ce qu'elle deviendra, est-ce qu'elle va se désintégrer. Je me dis, ça procède aussi de cette minoration des facteurs d'émergence. L'Europe, c'est le minerai, c'est les ressources minérales. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne se sont battues pour le fer et le charbon. La CECA d'abord. En 70, lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, les visionnaires, ceux qui avaient compris, ont dit, bon, on en a assez. Au lieu de prendre, c'est la déclaration Schuman, au lieu d'utiliser ces ressources pour fabriquer des armes et nous entretuer, mais utilisons-les plutôt pour construire une économie, pour partager. Et pour assurer la paix. Exactement, et pour assurer la paix. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je voulais un peu tirer les fils de trop loin. Je dirais que la fin de la CECA en 2002 a marqué un peu le début des difficultés européennes que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, vraiment voir que l'Europe, l'Union européenne est fille de la CECA. À partir de là, je me dis,
on peut penser la construction de l'Union européenne autrement, je veux dire, de manière plus pragmatique, plus concrète. Bref, on peut mieux l'inscrire dans la réalité. Parce que les grands discours en disant voilà, on est le dépositaire des grandes valeurs, c'est bien et c'est même vrai. Mais la réalité, c'est aussi celle-là. La preuve aujourd'hui, c'est par exemple le rapport de l'Europe à la Russie avec l'enjeu du gaz. Par exemple. Si je ne me trompe pas, la CECA, c'était pour une durée de vie de 50 ans. Oui, et oui. C'est ce qui a fait que la CECA n'est plus aujourd'hui. Ah, bien entendu. Mais la question qui fait suite, pourquoi donc 50 ans à l'époque où on voulait vraiment éliminer ce facteur, cet obstacle qui est à l'origine des conflits? Est-ce que là, il y a encore cette limitation dans le temps nous révèle peut-être un autre enjeu qui se cache par derrière, ou c'était simplement une question de faire les choses et de voir et de mettre un temps, un délai arbitrairement pour 50 ans, ou pour toi ça signifie qu'il y a quelque chose d'autre par derrière qui se jouit? Par exemple, la CECA est à mon avis tributaire de l'aide des Américains, hein, le plan Marshall et tout ce qui suit. Bon, il est vrai que les États-Unis, avec le plan Marshall, ont contribué de manière importante à la mise en place de l'intégration européenne, en tout cas des processus de reconstruction après la guerre. Et évidemment, même la CECA s'est institutionnalisée dans une dynamique de compétition. C'est d'ailleurs intéressant de voir cela, puisque quand on parle de la CECA, on voit bien qu'au départ, il n'y avait pas la Suède, il n'y avait pas la Grande-Bretagne. Et pourtant, mais c'est quand même étonnant tout ça, puisque la Grande-Bretagne était au cœur de la guerre. Mais comment se fait-il qu'au début du processus de pacification, par l'intégration, elle n'est pas reléguée, en tout cas, elle n'est pas présente? Donc, ça permet de voir bien comment ce sont les deux États qui se disputaient le fer et le charbon qui avaient été placés au cœur du processus. Par exemple, il ne fallait pas que le fer suédois fasse concurrence au fer français. Il ne fallait pas que le charbon britannique fasse ombrage au charbon allemand. Et en tout cas, on a vu que l'intégration de la Grande-Bretagne ne s'est pas opérée avec la même vitesse que celle des... Voilà, il y a plus ou moins une hostilité face à la Grande-Bretagne. Oui, en tout cas, bon, pour ce qui est du demi-siècle de la CECA, je pense qu'en fait, on savait qu'après, les économies se transformeraient. Et puis, les gisements aussi s'épuisent. On le dit, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus vraiment de mines qui opèrent, métalliques, par exemple, qui opèrent sur le territoire de la France métropolitaine. Donc, il y a une certaine déplétion de ces ressources. En Allemagne aussi, les dernières mines de charbon, me semble-t-il, ont cessé de fonctionner. Même si, en tout cas, l'Allemagne ne produit plus autant de charbon que par le passé. Donc tout cela est aussi lié à la des évolutions technologiques, voilà, et changements de besoins. Et bien entendu, et puis les ressources qui diminuent, parce que plus on exploite les ressources, plus ceci elle diminue. Donc c'est normal qu'on soit arrivé à la fin de la CECA parce qu'on est passé à d'autres étapes économiques. Et les problèmes de compétitivité, déjà même dans les années 70, il fallait, avant qu'on ne découvre le procédé qui permettait d'exploiter le fer laurent, il fallait le mélanger avec du fer d'une teneur plus importante afin de le rendre utilisable. Donc c'est lié, me semble-t-il, à cette évolution des ressources, hein, qui conditionne aussi celle des institutions qui les régulent. Voilà. Est-ce que, avant que je puisse comprendre ce qui se passe, avant que je lise une histoire, il faut
impérativement que je regarde la carte de cette partie du monde qui me concerne et voir les enjeux, voir la position des minerais pour que je puisse réellement me dire oui, j'ai pu avoir une idée de la marche des sociétés, la marche des États, comprendre ce qui vraiment est au centre de leurs préoccupations et non pas peut-être ce qui me retiendrait dans un premier temps, c'est-à-dire ce qui joue sur l'émotionnel, sur la peur, sur le spectaculaire, sur tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Je dis simplement, au moins, on peut, pour varier ce que l'on fait habituellement, on peut aussi faire comme ça, ne serait-ce qu'en termes d'hypothèse. Tout simplement, c'est-à-dire par simple curiosité intellectuelle. Oui, il y a un conflit quelque part, on ne se confine pas à l'apparent. On essaie aussi de voir, comme on dit souvent, hein, qu'est-ce qu'il y a sous les cartes. C'est un peu cela. Donc, c'est un peu comme cela que je procède. Et je ne dirais pas que ça marche toujours, mais encore une fois, il faut bien voir que il ne suffit pas de vouloir se battre. Il ne suffit pas de se haïr pour se battre. Il faut aussi avoir les moyens de la bataille. Donc, encore une fois, les enjeux des ressources interviennent aussi comme source comme source ou ressource forcément des batailles. C'est-à-dire que quand un conflit prend une certaine intensité quelque part, il faut se demander mais comment on fait pour financer cela, par exemple? Et sur la longue durée, parfois, la plupart du temps, voilà, ce sont des ressources naturelles qui sont souvent, qui contribuent à financer les conflits. Je veux dire, si l'Iran et l'Irak n'avaient pas d'importantes ressources d'hydrocarbures, je pense pas que leur guerre aurait fait autant de dégâts, mobilisé autant d'armes, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on peut aussi être incité à voir la dimension des ressources naturelles sur les conflits. Parce qu'on peut se poser cette question, mais sur quoi comptent les belligérants pour financer leur bataille? À part l'exemple de l'Europe, cette problématique est plutôt source de conflits que de paix. Ou y aurait-il d'autres moments dans l'histoire où on ait pu voir là une raison pour la paix? Mais la paix ne se donne pas, elle se construit. Donc il y a chez l'homme presque naturellement une logique de compétition. Donc généralement c'est la compétition. Et quand on dit compétition, il y a des alliances, il y a beaucoup de choses. Donc à un moment donné, les gens peuvent se rendre compte que voilà, il faut négocier, il faut partager, ça c'est très très important, et c'est peut-être avec c'est surtout avec l'éducation, parce qu'il y a les acteurs ne forment pas des blocs monolithiques. Il y a des acteurs qui instrumentalisent les autres pour justement atteindre leurs objectifs. Donc, plus les gens seront éduqués, éveillés à ces enjeux-là, et plus aussi ils ne se laisseront plus instrumentaliser pour servir des causes qui ne sont pas les leurs. Je ne sais pas où Paul Valéry l'a écrit, mais bon, on le cite souvent. On dit, il aurait dit ou écrit que la guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. Bon, c'est un peu ça. Ce que je dis, si on prend la mesure des enjeux, si on voit que en fait, on m'oppose à un tel parce qu'il est du nord, moi je suis du sud. Mais en fait, c'est parce qu'on voudrait atteindre d'autres objectifs, notamment le contrôle des ressources économiques. Si je comprends ça
il y a de fortes chances que je réagisse autrement. Ça, oui, ça demande que les citoyens, les acteurs, les individus soient au courant, comme on dit, soient informés des véritables enjeux. Et sans système démocratique, c'est assez difficile. L'enjeu, il est vraiment là. C'est-à-dire que c'est davantage dans le système démocratique que les citoyens, les individus, les populations locales sont informés des véritables enjeux et peuvent se positionner en connaissance de cause. Mais ailleurs, c'est relativement difficile. Je vois un grand apport pour le futur, dans le sens que ça permettrait de désamorcer les conflits si on est conscient d'une part, des matières en question, et d'autre part, si on peut faire des matières une raison pour la paix, et non pas une raison pour la guerre. Bien entendu, c'est pour cela que je parlais de gouvernance des ressources, voilà, des ressources économiques, utiliser les ressources pour faire la paix, oui, partager les ressources pour faire la paix. On sera de plus en plus contraint au moins d'y penser, c'est-à-dire que c'est difficile de nos jours d'éviter de faire ce diagnostic-là parce que il y a quand même des informations qui circulent. On ne peut plus cacher cela comme on le faisait par le passé. En tout cas, ce n'est plus une minorité qui peut accéder à un certain nombre d'informations. Et là, ça pourrait être un facteur positif, puisque si les gens sont suffisamment informés, si les gens comprennent que on peut prospérer ensemble, voilà, en partageant les ressources, peut-être que ça peut adoucir les mœurs, je pense. Mais ce qui me semble évident, c'est que du fait justement du caractère dégressif de la dépression de ces ressources, d'un côté et de l'autre, la dynamique inverse de la démographie, on sera de plus en plus confronté à cela. Et donc, soit on va choisir voilà, de se faire la guerre, soit on va accepter de s'asseoir, de négocier. Mais on pourrait prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Hein. Il me semble que c'est un exemple à côté de celui de l'Europe qui montre très bien que, ne serait-ce qu'en termes de degré, cette logique-là peut aider à initier, à institutionnaliser un processus de pacification à la fois à l'intérieur des sociétés et entre les sociétés internationales. Les mêmes ressources qui avaient été pendant des décennies, peut-être des siècles, hein, parce que dès l'arrivée des premiers halogènes en Afrique du Sud, des mines de cuivre avaient été ouvertes. Hein, dans les années 1600, hein, les premières mines de cuivre ont été ouvertes à ce moment-là en Afrique du Sud. Donc, on voit que les ressources qui, pendant des décennies, voire des siècles, ont été monopolisées par une minorité pour voilà, imposer son ordre, ont été à un moment donné mises sur la table pour être partagées. Et ça a diminué de manière considérable la teneur de la violence en Afrique du Sud. Parce que, évidemment, j'ai bien dit tout à l'heure que la violence est toujours là, jusqu'aujourd'hui. Voilà, l'Afrique du Sud fait partie des sociétés les plus violentes au monde. Mais ce que je veux dire, la nature de la violence n'est plus du tout la même. On est les belligérants, les différentes parties. Nature, peut-être l'impulsion ou la Voilà. perception d'une Bon, violence change. en fait, c'est à ce niveau que l'analyse sociologique, me semble-t-il, peut intervenir, peut être très très utile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, me semble-t-il, distinguer entre les différentes formes de violence d'aujourd'hui et celles qui ont existé par le passé. Non, c'est impossible. C'est impossible. L'une ne justifie pas l'autre, non, mais
Les gens ne peuvent pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Hein, d'autant moins que il n'y a pas encore de véritable justice sociale en Afrique du Sud. Donc, là également, le problème du partage des richesses, voilà, c'est un peu ça. C'est toujours voilà, le cas. Voilà, exactement, ça demeure. Parce que, après 1994, ce qui s'est passé, c'est que, bon, en Afrique, on aime bien raisonner en termes de gâteau national. Ceux qui étaient autour, le nombre de personnes autour du gâteau a considérablement augmenté. Là, on peut pas le nier, notamment avec toute l'élite qui s'est battue pour la libéralisation, la libération de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, de tous ceux qui, les membres de l'ANC, hein, pour dire les choses rapidement, ont intégré, voilà, l'exécutif, se sont partagés les dépouilles des mines, mais encore une fois, les populations locales, la masse, comme on dit, n'a pas été véritablement prise en compte. Donc, la violence a considérablement diminué, il n'y a pas de doute, mais une véritable logique démocratique est en mouvement, elle n'est pas entièrement consolidée. Par exemple, les problèmes d'éducation. Voilà. Il faut former les gens. Les gens qui ne sont pas formés seront beaucoup plus la proie de la violence, par exemple. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est une violence qui s'enracine aussi dans ce qui s'est passé dans l'histoire de ce pays-là. Parce qu'en une génération, les choses ne peuvent pas changer.